Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le-sens-des-lettres.com, votre plateforme de Scrabble Duplicate en vidéo. On va jouer ce soir, vendredi, enfin ce soir il est 18 h ici à Lyon, une partie de Duplicate Club. Alors habituellement les parties club sont de vocabulaire dit expert, c'est-à-dire que n'importe quel mot peut sortir, il n'y a aucune sélection. Et là, voilà, il se trouve que j'ai une partie avec pratiquement aucun mot compliqué en termes de vocabulaire, donc très peu. Donc on va la classer, on la classe en vocabulaire confirmé, c'est-à-dire que il y a très peu de mots, c'est pas du vocabulaire courant parce qu'il y a un mot ou deux qui sont pas très connus, mais c'est pas non plus de l'expert avec l'aléatoire qui peuvent parfois être assez durs. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage, les sous-topes, les isotopes, les anagrammes, des définitions, des 7+1, qui ne passent pas, mais on aurait bien aimé qu'ils passent. Et si vous voulez envoyer votre score pour faire partie du classement, vous envoyez, vous renseignez le formulaire dont vous avez le lien dans la description. Et également sur le site web le-sens-des-lettres.com. Voilà, on va pouvoir commencer avec un premier tirage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous et vous prenez Suisse, S. Algérie, A. Norvège, N. Égypte, E. Italie, I. Roumanie, R. Et Belgique, B. Vous jouez avec Suisse, Algérie, Norvège, Égypte, Italie, Roumanie et Belgique. Je vais vous préciser, le chrono est de 2 minutes 30 pour cette partie. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le top de ce coup est de 74 points. Attention à la solution retenue horizontalement en H4. Nous jouons Binera. B-I-N-E-R sur la case centrale. A-S. Binera. H4. 74 points. Après ce Scrabble, vous n'avez plus de lettres. Voici Tunisie, T. Océanie, O. Roumanie, R. Kenya, K. Kenya. Égypte, E. Belgique, B. Et Jordanie, J. Vous jouez avec Tunisie, Océanie, Roumanie, Kenya, Égypte, Belgique et Jordanie. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Terminé pour ce coup. Le top est à 81 points. Horizontalement en G7, en collante au-dessus de Binera, nous posons Joker. J-O-K-E-R. Verticalement, ça forme je, or, K et E-S avec les lettres de Binera. Joker, G7, 81 points. Deux lettres vous restent au reliquat, Belgique et Tunisie. Ajoutez Égypte, E. Algérie, A. Wallonie, W. Suisse, S, deux fois. Vous jouez avec Belgique, Tunisie, Égypte, Algérie, Wallonie, Suisse 2 fois. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. « 72 points pour le top de ce coup. Verticalement, faites très attention à la place. Nous jouons verticalement en 12G. Pour mettre un S au bout de Joker, nous descendons Sweat. S qui vient au bout de Joker. W, E, A, T, S. Sweat, 12G. N'oubliez pas le S final. Ça fait 72 points. Et c'est bien en 12G, c'est le plus bas possible à cet endroit. Une lettre au reliquat Belgique. On ajoute Roumanie R. Québec Q. Québec. Égypte E 2 fois, Suisse S et Grèce G. Vous avez Belgique, Roumanie, Québec, Égypte 2 fois, Suisse et Grèce. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le top de ce coup s'élève à 45 points. Horizontalement en H12, en partant du W de Sweat, nous posons Web. W-E-B-S. Web, H12, 45 points. Un reliquat de 4 lettres, Égypte, Grèce, Québec et Roumanie. On y ajoute Canada, C, Uruguay, U, Égypte, E, c'est le deuxième. On joue avec Égypte 2 fois, Grèce, Québec, Roumanie, Canada et Uruguay. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. C'est terminé pour ce coup. Le top est de 113 points. Verticalement en 15A, attention à la place, c'est en 15A. Pour terminer sur le S de web, nous jouons grec. G-R-E-C-Q-U-E-S de web. Grec, 15A. 113 points. Après ce Scrabble, vous n'avez plus aucune lettre. Voici France F. Algérie A. France F, c'est le deuxième. Italie I, Canada, c'est Océanie, O, et Norvège, N. Vous jouez avec France 2 fois, Algérie, Italie, Canada, Océanie et Norvège. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Encore un gros score, 114 points, horizontalement en K5, pour terminer sur le T de Sweat. Coiffant, C-O-I-F-F-A-N et le T de Sweat. Coiffant, K5, 114 points. Vous n'avez aucune lettre et vous prenez votre premier joker, lettre blanche A. Non, j'allais encore dire à entourer si vous l'utilisez, mais vous en remplissez pas de bulletin là, donc c'est pas la peine de dire ça. Donc votre premier joker, lettre blanche, Uruguay U, Égypte E, Luxembourg L, Égypte E, c'est le deuxième, et Suisse S 2 fois. Vous jouez avec Joker, Uruguay, Égypte 2 fois, Luxembourg et Suisse 2 fois. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le coup est terminé. Un top à 90 points. Vous ferez très attention à la place du joker et à la terminaison du mot. Verticalement en 13 H, en collante à droite de Sweat et en partant du E de Web, nous descendons Esselé. E de Web, S, S, E qui vient au bout de coiffant pour faire coiffante, U, L, le joker qui est un E d'Égypte, et le E final. Esselé, 13H. Ah oui, alors ça forme au passage avec les lettres de Sweat, ça forme S, ES, AS, AS et SU, SU. Esselé, 13H, 90 points. En vous souhaitant de ne pas trop l'être en ce moment, ni à n'importe quel autre moment d'ailleurs. Sauf si c'est ce que vous voulez. Plus aucune lettre au reliquat. Voici Roumanie R. Égypte E. Uruguay U. Norvège, N. Tunisie, T. Algérie, A. Et Venezuela, V. Vous jouez avec Roumanie, Égypte, Uruguay, Norvège, Tunisie, Algérie et Venezuela. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le coup est terminé. 86 points pour le top. Faites très attention à la place horizontalement en O6 pour terminer sur le E final, donc tout en bas de Esselé. Aventure. A-V-E-N-T-U-R. Et le E, le dernier E de Esselé. Aventure, O6, rapporte 86 points. Après ce Scrabble, plus aucune lettre au reliquat. Voici Danemark D, Égypte E, Italie I 2 fois, Grèce G, Maroc M et Algérie A. Vous jouez avec Danemark, Égypte, Italie 2 fois, Grèce, Maroc et Algérie. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Un top sur ce coup qui s'élève à 26 points, horizontalement en B9 pour terminer sur le R de grec, Imagier, I-M-A-G-I-E, R de grec, Imagier, B9, 26 points. Une seule lettre au reliquat, Danemark D. On ajoute Algérie A, Égypte E, Italie I, Tunisie T 2 fois, Uruguay U. Vous jouez avec Danemark, Algérie, Égypte, Italie, Tunisie 2 fois et Uruguay. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Top à 68 points. Verticalement en 5B, on appuie sur le I de Binera. Nous jouons Étudier. E-T-U-D-I-A, le I de Binera et le T final. Étudier, 5B, 68 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Yougoslavie Y. Hongrie H. Algérie A. Égypte E. Roumanie R. Égypte E deuxième. Et Italie I. Vous jouez avec Yougoslavie, Hongrie, Algérie, Égypte deux fois, Roumanie et Italie. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. « 41 points horizontalement en A6 pour former EAI. Avec le I initial d'Imagier, nous posons Eyra. E-Y-R-A qui fait EAI. Eyra, A6, 41 points. Un reliquat de 3 lettres, Égypte, Hongrie, Italie. Ajoutez Roumanie R. Uruguay, U. Maroc, M. Hongrie, H. C'est le deuxième. Vous jouez avec Égypte, Hongrie deux fois, Italie, Roumanie, Uruguay et Maroc. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le top de ce coup est de 31 points, verticalement en 4A, à gauche de Étudier. Nous posons RHUM, R-H-U-M, ça forme horizontalement E, H-E, UT, UT et MU, MU. RHUM, Rome, pardon, Rome. Rome 4A, 31 points. Trois lettres relicales, les mêmes que tout à l'heure, Égypte, Hongrie et Italie. Vous ajoutez Norvège, N. Tunisie, T. Italie, I, c'est le deuxième. Et Portugal, P. Vous jouez avec Égypte, Hongrie, Italie deux fois, Norvège, Tunisie et Portugal. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le top de ce coup est de 39 points. Horizontalement en O6, on transforme Aventure en Aventure ENT. Aventure déjà sur la grille et NT pour atteindre la case triple. Mot triple. Aventure ENT donc en O6 pour 39 points. Cinq lettres au reliquat, Égypte, Hongrie, Italie, deux fois, et Portugal. Vous ajoutez votre deuxième joker, lettre blanche, Zambie Z. Vous jouez avec Égypte, Hongrie, Italie, deux fois, Portugal, joker et Zambie. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le top de ce coup est de 54 points. Faites attention à la solution retenue horizontalement en C1. En employant le joker comme un M de Maroc, nous jouons imputé. I, le joker qui est un M de Maroc, P, U de Rome, T de étudier, E, Z. Imputé, C1. 54 points. Un reliquat de deux lettres, Hongrie et Italie, Égypte E, Uruguay U, Norvège, N. Tunisie, T. Luxembourg, L. Vous jouez avec Hongrie, Italie, Égypte, Uruguay, Norvège, Tunisie et Luxembourg. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Un top à 33 points, verticalement en 1A, attention à la solution choisie, nous jouons huile, H, U, le I de imputé, L, E, N, T, n'oubliez pas le N et le T, huile, 1A, pardon, 33 points. Une lettre au reliquat, Égypte. Non, n'importe quoi. Une lettre au reliquat, Italie. Il vous reste donc Italie. Vous ajoutez 6 nouvelles lettres. Luxembourg, L, 2 fois. Égypte, E. Venezuela, V. Océanie, O. Algérie, A. Vous avez Italie, Luxembourg 2 fois, Égypte, Venezuela, Océanie et Algérie. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. « 28 points horizontalement en L1. Attention, faites extrêmement attention à la solution retenue. Nous jouons Viola. V-I-O-L-A. Le A forme SA, C-A avec le C de coiffante. Nous avons bien joué Viola en L1 pour 28 points. Deux lettres au reliquat, Égypte et Luxembourg. Vous ajoutez Océanie, O. Portugal, P. Luxembourg, L. C'est le deuxième, pardon. Norvège, N. Et Océanie, O, c'est également le deuxième. Vous jouez avec Égypte, Luxembourg 2 fois, Océanie 2 fois, Portugal et Norvège. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Le coup est terminé et le top s'élève à 30 points. Verticalement en 6A, en collant avec les lettres de la grille, épée, E de Eyra, P, E de imputé et E. Au passage, ça forme EP, HEP et MU, MUE. Épée, 6A, 30 points. un reliquat de 5 lettres, Luxembourg 2 fois, Norvège et Océanie 2 fois. Ajoutez Algérie A, Italie I. Vous avez Luxembourg 2 fois, Norvège, Océanie 2 fois, Algérie et Italie. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Un top à 24 points sur ce coup, verticalement en 1K sur le V de Viola. Nous descendons avion, A-V-I-O-N. Avion, 1K, 24 points. Il vous reste 3 lettres, LOL. 2 fois Luxembourg et Océanie. On ajoute Xénophon X, Danemark D, Maroc M. Danemark D, c'est le deuxième. Vous avez Luxembourg 2 fois, Océanie, Xénophon, Danemark 2 fois et Maroc. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. De 3 points pour le top de ce coup, horizontalement en F4, en appui sur le i disponible de étudier, faites très attention aux mots retenus, nous jouons 10, D, I de étudier et X. 10 en F4, 33 points. Il vous reste 5 lettres, Danemark, Luxembourg, 2 fois, Maroc, Océanie, et vous avez certainement déjà pris la dernière lettre, Océanie O, ce qui vous en fait 2. Vous jouez avec Danemark, Luxembourg, 2 fois, Maroc, Océanie, 2 fois, chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Alors, le top de ce coup, 27 points. Attention aux mots retenus. Horizontalement en F8, en collant au-dessus de Joker et Binera, nous posons Mol, M-O-L. Verticalement, ça forme Mor, M-O-R, OK, O-K-A et Les, L-E-S. Mol, N, F8, pardon, F8, 27 points. Voilà, il vous reste Danemark, Luxembourg, Océanie, et vous réfléchissez encore 2 minutes 30. Chrono. Il est temps d'écrire votre solution et son score sur votre feuille de marque. Et voilà, c'est terminé. Ce sera le dernier coup de la partie. Mon top est de 12 points, horizontalement en J10. En appui sur le A de Sweat et le deuxième S de Esselé, nous posons Loa, L-O-A-S déjà sur la grille. Verticalement, ça forme LA, L-A et ON, O-N, avec les lettres de coiffante. Loa, J10, 12 points. Vous avez joué un ensemble de 21 coups pour un top cumulé de 1121 points. Si vous voulez nous envoyer votre score pour figurer dans le classement, vous pouvez le faire avec le lien que vous avez dans le descriptif de la vidéo et sur le site le-sens-des-lettres.com. Et vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez attendre un petit peu le temps qu'on passe le décodage au cas où vous auriez quelques solutions à vérifier. Donc on enchaîne avec le décodage de cette partie. À tout de suite. Allez, on va décoder cette partie. Premier coup, on a joué Binera. On pouvait également jouer pour 74 points également Bernet AIS et Binera AS, ainsi que Barine. Barine, c'est un nom masculin sans le S. Plusieurs définitions, ça désigne un propriétaire terrien, ainsi qu'un ancien titre donné en Russie à une sorte de seigneur. Voilà. C'était les 4 scrabbles possibles sur ce coup. Et ensuite, sans scrabbler, on avait Baïn, Baiser, Barine au singulier, Bénira, Bernet, Berna, etc. Bon, a priori, si on fait AIS, il nous reste que BRENA combiné. On peut trouver notamment Bernet. Le coup suivant. Le score monte très haut parce qu'en fait, le J et le K, toutes les deux lettres, ces deux lettres-là doublent pour Joker et sont en pivot, donc elles doublent également pour le jeu et le KA. Donc ça a monté très très haut, 81 points. Au même endroit, pour un peu beaucoup moins même, juste Job en G7, donc 49 points. Également côté en G9 pour 48 points. Côté est un verbe belge intransitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire côté et e, et ça veut dire vivre en cote. C'est une chambre d'étudiants en Belgique. Voilà, Cob l'antilope 47 points. Voilà, tout se passait ici avec le K en pivot. En appui, il n'y avait rien de particulier. Le coup suivant, on a joué Sweat qui faisait Joker avec qui mettait pardon un S au bout de Joker. On pouvait le jouer plus haut mais ça faisait moins puisque le W ne doublait pas. Web, même principe, 52 également comme le Sweat mal placé. 46 si on oublie de mettre un S à Sweat. Voilà, et puis après bassé sans le W, bassé, basse pour 40, 38, etc. En termes d'appui, rien à signaler ici non plus. Le coup suivant, on a joué Web, WEBS, en partant du W de Sweat pour tripler, ça faisait 45 points. Les sous-tops, c'était BE et ER et BES, le verbe BE, qui veut dire être ouvert, verbe intransitif. Non, c'est pas de l'anglais avec beer et bees, non, de la bière et des abeilles. Pas, ça pourrait. 22 points, ça faisait en collant contre Sweat, pardon. Voilà, rien de des jolis bébés ici à 14 en 4H pour 18 points. beige en 5F, voilà des petits mots un peu partout pour 18 points. Mot compte double, rien en appui. Alors le coup suivant, pardon. On forme QUE, grec, pas facile forcément, mais il vaut mieux ne pas le rater. 113 points. Le mot passé également en L5 sur le S de Sweat pour beaucoup moins, 71. Un quadruple à 64 points en 5E avec Cérique. Cérique qui signifie, c'est un adjectif qui désigne des composés de cérium tétravalent. Ça faisait 64, donc en 5E sur le I de Binera. Le verbe béquer, donner la béquer, 14H, 48 points. Grecquer, alors oui, grecquer, c'est un verbe. C'est un verbe transitif qui signifie scier à l'aide d'une grecque, qui est une scie de relieur, en fait. Hein, c'est le fait de marquer les entailles sur le dos d'un livre. Voilà, Grecquer, ça faisait 37 points. Et du coup, en termes d'appui, eh bien, bon, comme Grecquer, c'est un verbe transitif, eh bien, nous avions grec sec en 7 lettres, puis avec un E, un R, un S ou un Z, puisque c'est un verbe transitif. Voilà. Coup d'après, on a joué Coiffant, qui faisait 114. Le sous-top, c'était de nouveau un quadruple, avec Officia sur le I de Binera, et puis des collantes, Foc ici, la voile, FOC, F8 fait 43, OC 33, etc. En termes d'appui, je crois qu'on n'avait que Coiffant. Coup suivant, les deux S, les deux E, le Joker. On a joué Esselé et E. On pouvait également jouer Esselé et S, en intervertissant le Joker. Sous top, ailleurs, Selé en Scrabble sec qui colle Joker T sous Binera. Bileuse en partant du B de Web, ça faisait 72. Selé, ça faisait 77. Blessure, bleuisse, blousé, 68. Voilà, pas très gai tous ces mots-là. Hein. Esselé, selé, bileuse, blessure. Bon. Pas ça à tous les coups, hein, s'il vous plaît. Alors, le coup suivant, on a joué sur le triple en bas, aventure. Alors ça passait aussi au-dessus, mais pour un peu moins, 64 points et non pas 86, ainsi que en C8, avec le V qui double et le mot qui double. Vous savez, 80 quand même. Bon. Fallait quand même, une fois qu'on l'a trouvé, la meilleure place, c'est le mot compte triple. Ensuite, eh bien, on ne scrablait plus. On marquait 42 points avec entrave, le V qui double et le mot qui triple, de même que étuveras. Au vent, même principe, mais ça fait que 39. Rêve également, etc. etc. En termes d'appui, en 7+1, on a sur un A, Auvergnat, sur un B, Rebuvant, sur un L, Levurant, sur un O, Novateur, sur un X, Ventreau, etc. etc. Il y a pas mal de solutions possibles. Ensuite, les deux I, DEMGA, on a joué Imagier. Alors Imagier, c'est un... soit c'est un... dessinateur ou enlumineur du Moyen-Âge, mais aussi peintre, graveur, etc. Et c'est aussi un livre avec beaucoup d'images pour les enfants. Sous top, même endroit, damier, même principe, une lettre semi-chère qui double et le mot entier qui... Enfin, qui triple et le mot entier qui double. Ensuite, on a gay ici à 22. Voilà, des petits coups à 22 points. Média, ici en N2 ou en L1, de même que magie en L1. Ami dans L1, ça fait 20, etc. etc. En termes d'appui, un seul 7+1 possible avec ce tirage sur un R, démaigri. Le coup suivant, on a Étudia AT en main. Ça ne passe pas, pas de place pour Scrabble et sec. Ici, on aurait pu en A3, A4, mais TI, ça ne marche pas. Donc, on a joué étudier AIT sur le I de Binera. Et c'était le seul Scrabble sous top T, TET, pardon. Ici, en dessous, A32. Et puis après, on allait chercher des collantes là-bas, 14L, 30 points avec date, dite, 27 points avec date. En appui, on avait évidemment étudiant, ANT, débuté AIT, altitude, aptitude et attitude. Voilà, sur le tirage Scrabble sur L, PT et sur plein d'autres lettres. Hein. Donc altitude, aptitude, attitude, c'est un trinôme à retenir. Duveté sur un V, etc. Il y a pas mal de solutions également. Ensuite, le Y, le H, pas de yen, pas d'hygiène, ça marche pas. Aventurera en sous-top, c'était un petit coup d'assurance à 39 points, si on n'oublie pas de prolonger ces mots. Eyra, E-Y-R-A, c'est un félin, un chat sauvage qui ressemble au puma. Et au jaguarondi également. Enfin, c'est un autre nom. Et ça fait 41. I, sous-top, AI, HAI, 34, ici, en collante avec le H en pivot, de même que Oriya et rayé en L1. Oriya, c'est une langue parlée dans le nord-est de l'Inde. Et ensuite, donc je disais rayé en L1 et en 10D, rayé ES. Coup suivant, assis sur Pardon, oula, j'ai cliqué n'importe quoi. Sur deux lettres, sur NU, on avait Ennuyère. H-I-N-U-Y-E, accent grave, R-E, c'est le féminin de ennuyer. Il concerne en Belgique le Hainaut. C'est une région, une province en Belgique. Le coup d'après, on a joué Rome pour faire des petits mots qui de deux lettres, ça faisait 31 points, sous top et HE en bas pour faire aventurer et E. 30 points également avec IA ou UA. En J10, me faisait 29 points avec le H en pivot sur une case bleue. Rien de folichon, et puis pas d'appui avec ce tirage. Le coup suivant, pas de Scrabble non plus. On a joué Aventure ENT pour aller jusqu'au triple, 39. Et ensuite, on avait 14L avec Pin ou Pit pour 33 points. Et puis les mêmes sous-top pratiquement qu'au coup précédent. HE ici en 14N, 30 points. IA en J10. PEINT pour faire ému en 3C, 30 points également. Le coup d'après, on a le Z, le I, le E, on cherche le Scrabble, alors il y a chipier qui ne passe pas, et nous on a joué imputé. On pouvait également jouer chuter au même endroit et pieuter, ça faisait 54 points également. Et une autre solution à 54 points, c'était zip, le verbe zipper en L1, le Z qui double et le mot qui double, ça faisait 54. Et puis après, il y a toute une flopée de solutions à 50 points, c'est-à-dire qu'il s'agit de former zut horizontalement et de jouer un mot de trois lettres qui commence par ZE verticalement, pour faire ému. Et donc on a zec, zé, zef, zec avec un K, zen. On a l'embarras du choix. Et en termes d'appui, donc en deux Scrabble, je disais donc qu'il y avait chipier sur un C, mais qui ne passait pas, enfin, Joker C, pardon, en cette lettre, qui ne passait pas. Et sur un O, en revanche, enfin ça passe pas non plus, mais il y avait une autre solution, c'était piochier sur un O ou sur un C. Coup d'après, on joue huile, H-U-I-L-E-N-T, du verbe huiler. On pouvait également jouer lithiné. c'est un adjectif, c'est un nom féminin et un adjectif. C'est de l'oxyde de lithium et qui contient de l'oxyde de lithium, donc c'est lithiné et ou e, il n'y a pas de verbe lithiné. En sous-top, on a IA, UA comme tout à l'heure, huile en L1 qui fait 28, lutte en N3 qui fait 28 également, tout comme lutite, L-U-T-I-T-E en I3, en collante donc. C'est un synonyme de pélite. En termes d'appui, on avait huile, sec, ENT qui ne passait pas, et c'était le seul Scrabble possible. Pas de 7+1 avec ce tirage. Le coup suivant, on a énormément de solutions à 28 points, vélé, voile, villa, ville, viol, voilà, etc., etc. On a joué, nous, on a joué viola. Autre place peut-être en N1, voilà, il y avait des 26 points, veilla, viella, villa 24, bon, après il y avait tous les mots qui se terminent en A. Et puis on avait lève aussi avec le V en pivot pour 27 points. Le tirage scrablait sur 3 lettres, un L, un T ou un Y pour respectivement volaille, volatile et volayée. C'est ce qu'on appelle une passe de 3. Une passe de 3, c'est un tirage qui n'offre aucune solution en 7 lettres, mais qui en offre 3 en 7+1. Coup suivant. Épée, on a joué épée en 6A, ça formait ép et mu, c'était assez caché quand même. En sous-top, on a plion en 2J et poil, P-O-I-L-E. Poilon, ça faisait 26. Poilon et pollen en N1, formant A, faisait 24 points. RAS, niveau appui ou Scrabble avec ce tirage. Le suivant, 2O, 2L, NAI, pas très encourageant pour scrabbler. On a joué avion qui triplait. Et donc sous-top, on a 21 points avec on, ON, ici qui forme OK et né. Et puis plusieurs solutions, des mots de 4 lettres avec le V. Ont 21 points également. Vin, vina, viol, vlan, vola. En appui... J'avais failli passer ce coup en disant non, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose, mais si, sur un C, on aurait pu jouer colonial. Le coup suivant, on a joué 10, D-I-X, on pouvait également jouer mix, M-I-X. C'est la fin de la partie, j'ai voulu nous débarrasser d'un D parce qu'on n'avait plus de M, et il nous restait 2 D. Bon. Sous-top, mol, M-O-L. Ici en F8, homme en F9, c'est le top du coup prochain en fait, hein. On est sur la fin de la partie, 10 et mix passait également en 13A pour 26, et en 3K, le type de charbon MOX, box en 9K, etc. Et donc le coup suivant, on a 6 lettres, c'est la fin bientôt, mol ou homme, 27 points, Moa en J10, le Moa, c'est une espèce d'oiseau de Nouvelle-Zélande, des oiseaux géants, pardon, un peu comme les autruches, mais qui mesuraient jusqu'à 3 mètres, mais c'est une espèce éteinte. Do, pas dodo, mais do, F10 faisait 17 points. Le coup suivant, il reste une voyelle, on continue de chercher. Et là, c'est Loa, là on a joué Moa tout à l'heure, Loa. Loa, c'est un odou. Ensuite, on avait Diol à 10 points, ici, sur le I de Imagier. Dol en N4, 10 points également. Dolo en 3K, 10 points. Et Lido, de même que Diol, 10 points. Voilà, c'est terminé pour le décodage de cette partie club vocabulaire confirmé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris quelques mots, quelques astuces, quelques petits trucs, quelques tirages aussi. C'est important de connaître des tirages. Et puis je vous dis bien bonne continuation et à très bientôt.